Salut à tous, ici Zarantai et je suis ici pour le deuxième épisode de mon tuto sur Mots Créatures et je suis en compagnie de Michou74. Salut à tous. De Picflow74. Salut tout le monde. Et de Mitario74. Salut à tous. Ah, là on t'a entendu, c'est bien. Alors, donc sur la première partie du tuto, je vous ai présenté tous les animaux que vous étiez susceptibles de croiser. Ce mode ne rajoute pas que des animaux, il rajoute également de la nourriture. Alors, turtle meat, bon bah en butant des tortues. Les omelettes, j'en sais rien parce que certains crafts sont indisponibles, enfin ne sont pas sur le site et je les ai pas trouvés. J'ai beau chercher, j'ai pas trouvé. Turtle soup, bon bah la soupe de tortue, hein. Ça en butant des autruches, ça en butant en cuir, ça en butant des dindes, ça des rats, ça un truc avec des rats aussi, et ça avec des crabes. En plus de la nourriture, ce mode ajoute aussi certains outils, comme le teleport staff, donc le bâton de téléportation, le build armor. Alors celui-là, je sais pas pourquoi, quand je l'ai testé, il pose que le même type de bloc. Alors, est-ce que ça vient du bloc qu'il a à côté? Par exemple, si je mets là. Voilà, en fait ça vient du bloc qui est à côté de lui. Et qui permet de le démultiplier à l'infini. Si vous avez par exemple de l'obsidienne, ça peut servir, vous n'aurez pas à retourner dans la profondeur insondable et pleine de microbes de l'oubli pour aller en chercher. C'est un plagiat magnifique, de la magnificence la plus absolue, c'est pas grave. Et le Weaven Staff Portal, qui se craft avec un bâton, c'est pas une dent de Big Cat, je vais vous retrouver le nom parce que je l'ai oublié. Là voilà, une corne de licorne plutôt. Et un œil d'Enderman qui vous permet d'aller dans une dimension pour ensuite enfin dimension, quand je parle de dimension je parle du Nether et de l'End, pour ensuite arriver au Weaven Dimension, enfin la dimension des dragons. J'ai pas retenu le nom, voilà. Qui vous permet donc de chasser des dragons, de pouvoir les dresser, tout ça. Son nom d'utilisation est 4, donc vous pouvez l'utiliser que 4 fois, après il se pète, donc prenez-en plusieurs pour éviter de vous rester coincé dans une dimension. Éventuellement le Nether c'est pas extrêmement grave, vous faites un portail, vous repartez. Mais si vous restez dans l'End ou dans la dimension des dragons, vous êtes plutôt dans la merde. Ensuite, après les outils, le combat. Alors là le combat, ils s'en fait plaisir. Avec des nunchaku, je sais pas comment on les fait, des sai, je sais pas non plus, des bow, donc un bâton, les katanas, des shark sword. Alors les shark sword, c'est l'un des crafts que j'ai réussi à trouver. Il vous faut 4 dents de requin, qui sont ici, hop là, et 3 bâtons. Et une table de craft, ce sera mieux. Allez, elle est là. Et ça se fait comme ça. Voilà, shark sword. Ensuite, niveau combat, après la shark sword, on a les reptile plate. Donc en butant des coquetiers des dragons de commando, vous tombez sur de la peau de reptile. Et c'est le même setup que les armures normales. En fur helmet, c'est des armures en fourrure que vous trouvez principalement sur les animaux de taïga. Hide helmet, c'est en peau que vous trouvez sur les animaux de plaine un peu partout. Ouais. Exactement. Les cave scorpion sword, alors ça honnêtement je sais pas comment ça se fabrique. Alors est-ce que ça se fabrique avec de la chitine ou avec des dards? Je sais pas, je vais tenter le craft avec de la chitine et arrêter de faire vos secrétaires derrière. Voilà. Oh là là, on a l'impression que tu chiales, mais honnêtement je sais pas comment on le craft. Je vous le dis tout de suite. Alors est-ce que c'est le craft de l'épée standard? J'en sais rien. Non. Est-ce que c'est comme la dinde requin? Honnêtement, j'en sais foutument rien. Personnellement, la dinde requin, je l'ai pas trouvé sur le site. J'ai trouvé ça en regardant le dessin. Alors. Ouais. Oula, qu'est-ce que je fais? Ouais, bon. Honnêtement, les crafts, je sais pas. J'ai pas réussi à les trouver sur les sites. Et c'était un fail monumental d'ailleurs. Ensuite, après. Donc. À mon avis, ça donne le craft pour tout. Et là, les scorpion plates, c'est des armures en chitine de scorpion qui suivent le patron habituel. Et les dards de scorpion dont je vous avais parlé la dernière fois. Il rajoute aussi, alors ça, c'est pour les éléphants. Il y a un éléphant dressé, bon, j'en ai pas là, et puis je vous en parlerai plus sur le troisième épisode qui sera sur l'élevage. Vous pouvez leur mettre des défenses en bois, en fer ou en diamant. Et ça permet de détruire des blocs qui sont devant eux jusqu'à 2 de hauteur. Si vous souhaitez, vous pouvez réussir à en péter plus. Et la Silver Skeleton Sword qui est incraftable, qui ne peut être trouvée que sur les squelettes d'argent.
comme je vous l'avais dit sur le premier épisode. Ensuite, en plus des armes, ça n'ajoute pas de potions, ça rajoute certains blocs spécifiques, comme les craft, enfin les selles craftables qu'on peut utiliser sur les sur les autruches et les chevaux. Ça, c'est des armures pour chevaux aussi, hein, en chevaux, pour les chevaux en fer, en or et en diamant. Je vous montrerai les crafts sur le prochain épisode. Il rajoute alors ice stack, je sais pas si c'est un bloc ou pas, je sais plus. Non, c'est pas un bloc, c'est pour nourrir les chevaux. Voilà, c'est du foin. Des œufs, alors les œufs, on peut les faire avec l'or, par contre je me souviens plus si on peut les poser. Non, on peut pas. Mais si on peut. Voilà, faut les poser en général près des torches et ils éclosent. Alors comment savoir quel œuf est de quel animal? Ces œufs là vous les trouvez en tuant les animaux. Oui, chasse, le braconnage, tout ça. Vous avez deux petites chances de trouver les œufs. Et une fois qu'ils ont éclos, ils sont vos plus fidèles compagnons. Allez dans le Big Cat, bon bah en butant des félins. Le fouet, ça sert à accélérer les autruches ou à faire baisser la tête du cheval. C'est le seul truc que j'ai trouvé. Mais d'ailleurs, je vais pas vous mentir, je sais pas à quoi il sert. Les kitty bed, alors ça c'est pour le chat, c'est pour là où il dort, parce que sinon il est pas content. Ça pareil, c'est pour qu'il fasse ses besoins, sinon il est pas content, c'est pour qu'il joue avec. Les cordes, c'est pour tenir vos animaux en laisse, ça c'est pour les nourrir. Les reptiles hide, c'est la peau de reptile, c'est ce que je vous disais, en butant les dragons komodo et les crocodiles. Les fishballs, c'est des aquariums, vous pouvez avoir des poissons en aquarium avec vous. La fur, c'est la fourrure. Les clés, alors les clés, c'est avec les chess-sets pour les éléphants. En fait, à chaque fois que vous posez un chess-set, vous gagnez une clé et vous pouvez pas ouvrir le chess-set si vous n'avez pas la clé. Bon, elle est recraftable après, hein, au cas où vous la perdiez. Mais en fait, pour ouvrir le chess-set, faut cliquer avec la clé en main. Les essences, je me suis pas penché dessus parce que je les j'ai pas encore eu l'occasion de les utiliser. Hein. Vous en parlez, à mon avis, je crois que c'est pour le dressage. Et les... Ah. Pas les enfants. Le dressage et... Et le fait d'avoir de transformer un animal sauvage en un compagnon, hein, voilà. Les amulettes, pareil, c'est pour dresser certains types de chevaux. Regardez ça sur le site parce que j'ai regardé, j'ai écrit, j'ai paumé la feuille et je m'en souviens plus. Heart of Darkness, c'est des cœurs que vous pouvez récupérer sur des mobs. Par contre, lesquels, faut que je regarde sur le site. C'est con parce que j'avais tout préparé et j'ai tout oublié. Unicorn Horn, en butant des licornes, hein, logique, qui sert à crafter les staffs pour les weavens. J'en étais, alors, les filets qui vous permettent d'attraper des poissons, jusque là, logique, et qui permet ensuite de pouvoir les mettre dans un bocal. Après, alors, la Crystal Mount Armor, n'essayez pas de la mettre sur un cheval, ça marche pas. Je crois que c'est les armures pour les dragons. Parce qu'un dragon, oui, vous pouvez le chevaucher, donc forcément vous pouvez voler avec. C'est pour ça que c'est relativement intéressant. Et vous pouvez mettre des armures, tout ça. Par contre, vous pouvez pas faire d'élevage de dragon. Vous êtes obligé de les domestiquer. Hide, bon, bah ça, je vous ai dit, c'est la peau. Chitin, c'est comme pour la peau, sauf que vous la trouvez sur les scorpions. Scroll of Freedom. Alors, ça, c'est une fois que vous avez domestiqué un animal. Vous utilisez Scroll of Freedom pour le libérer. Car il devient sauvage. Scroll of Sales, alors ça je l'ai essayé, ça marche pas. Enfin, du moins pas en solo. Je sais pas à quoi ça sert. Honnêtement. Ensuite, Elephant Harness. Alors ça, si vous faites un élevage d'éléphants pour les monter plus tard, c'est juste le truc le plus important qu'il vous faut. Je vous montrerai comment on le craft dans la prochaine vidéo. Mais c'est juste le truc le plus important. Pourquoi? Parce que vous pourrez rien mettre sur un éléphant si vous l'avez pas mis. Ah oui, et il peut être mis que sur les éléphants domestiqués. Donc ça veut dire, pour domestiquer un éléphant, je vous montrerai comment faire. Ensuite, les chest sets, donc c'est des coffres de voyage. Chacun, enfin un éléphant peut en porter deux, bien que ça ne change rien. Elephant garment, c'est des décorations pour les éléphants uniquement d'Asie. Essayez pas de mettre ça sur un éléphant d'Afrique ou sur un éléphant... ou sur un mammouth, ça marchera pas. Là, je vous le dis, ça marchera pas.
Elephant Odwa, c'est pareil, c'est que pour les éléphants d'Asie et c'est pour avoir une petite nacelle. De toute façon, vous pouvez monter dessus, mais ça fait un élément décoratif en plus. C'est relativement mieux, ça fait plus prestige. Ensuite, Mammouth Platform. Alors ça, c'est uniquement sur les mammouths, ceux des steppes, je crois, et c'est véritablement utile que en multi. Pourquoi ? Parce qu'il permet de porter deux joueurs sur un mammouth. Donc, si vous êtes tout seul, ça n'a pas une grande importance. Hein. J'aime bien l'autre, il m'imite. Bon. Et Scroll of Reset Owner, honnêtement, je l'ai jamais utilisé. Je sais pas ce que ça fait. Il y a pas mal de choses que je sais pas ce que ça fait ou je sais pas comment faire. Je me rattraperai sur le prochain épisode. Vous en faites pas. Hein. Je resterai pas sur ma fin. Enfin, autant que possible. Parce que ouais, j'ai eu beau chercher même sur les sites officiels et les sites moins officiels, j'ai pas trouvé. Honnêtement, je me suis cassé le cul et j'ai rien trouvé du tout. Et donc voilà. Ensuite, ce plugin là, enfin ce plugin, je commence bien. Ce mode est aussi utile en multijoueur. Hein. Bah, désolé, ils ont disparu. Bon. Sur ce, étant donné que je viens de me rendre compte que je parlais relativement vite, ce qui est peut-être à mon désavantage et au vôtre, je vais demander à mes compagnons qui sont ici avec moi, qu'on n'a pas entendu depuis le début, s'ils ont compris à peu près ce que j'ai dit. J'ai pas écouté. Ok, ça c'est fait. Rien du tout, elle a rien compris et c'était très instructif. Et c'est ça, foutait de la gueule. En gros, ils sont foutés. Non, si vraiment vous avez pas compris parce que j'ai parlé trop vite, parce que ça m'arrive d'ordinaire, je parle plus vite que ça d'ailleurs. Ils seront là pour vous le confirmer. Mais en fait, moi je m'en foutais un peu parce que je regarderai la vidéo pour comprendre après. Ah, c'est pas faux. Donc voilà, ils vous confirment que je parle d'habitude beaucoup plus vite. Là, je fais déjà un effort relativement pas mal pour parler relativement lentement pour que vous arriviez éventuellement à me comprendre. Et donc voilà. Sur ce, j'ai bouclé ce que je voulais faire maintenant. Enfin, sur cette vidéo. Donc, on va peut-être avoir une vidéo qui dure vraiment 15 minutes cette fois. En effectuant la suprême technique du finish de la mort qui détruit tout, j'ai nommé. Attention, j'ai nommé quoi? On va les laisser deviner. Qu'est-ce que j'ai nommé? C'est un blanc, c'est un fail intersidéral. J'ai nommé le placement de produit, bien sûr. Nommé quoi? Et le mec, ils arrêtent. Genre là, je viens de prendre le plus grand vent de ma vie. Si c'est encore. C'est pas peu dire. Et le mec il a de quoi il parle déjà. Ils sont là juste parce que je tourne en fait. Monsieur envolé. Bon. Donc placement de produit, disais-je. Si vous avez aimé la vidéo, un peu plus courte que d'habitude cette fois. Je parle beaucoup plus vite que d'habitude, là je vous l'accorde. Voilà. Si vous avez aimé, pouce vert. Si vous avez pas aimé, justement parce qu'elle était plus courte ou parce que je parlais trop vite, parce que vous avez rien compris ou parce que vous pouvez pas saquer ma gueule, ce qui est tout à fait possible. Pouce rouge. Pouce rouge, hein, c'est votre vie. Pouce rouge. Pouce rouge. Bande de connards. Tout ça parce que vous pouvez pas saquer ma gueule, hein, c'est ça. Pouce rouge. Pouce rouge. Pouce rouge. Arrêtez, vous leur envoyez des messages subliminaux. Donc j'en étais où? Ah oui. Abonnez-vous à la chaîne pour que je vois combien vous êtes à me suivre. Pour l'instant on est 15. C'est relativement pas mal, j'ai envie de dire. Laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez. D'accord. De ce que je fais. Et que si vous voulez que ces cons derrière arrêtent de dire de la merde. Cool. Ou si vous voulez qu'ils continuent ou qu'ils en disent plus, c'est vous qui les voyez. D'accord. En fait, je sais pas si vous savez, mais je couvre vos voix, hein. Enfin, ça veut dire que ma voix est plus forte que la vôtre. D'accord. Donc pendant que vous parlez, pendant que moi je parle, on vous entend pas. D'accord. Donc, dites pouce rouge quand je parle pas. D'accord. Voilà. Bon, c'est relativement n'importe quoi. C'est pas extrêmement grave. Enfin, si ça peut être grave, mais bon. De toute façon, dans la plupart de mes vidéos, c'est n'importe quoi. Partager. C'est pour ça que vous les regardez, je pense. Ensuite, faites-moi de la pub sur Facebook et sur Twitter, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, t'es un petit peu décalé quand même. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Et je vais leur laisser vous dire au revoir. Allez, dites au revoir. Salut tout le monde. Voilà, putain. Voilà, ça c'est fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. A plus.